Bonjour, c'est Gadi et bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 3 du Let's Play de We Were Here Together en compagnie de Grisix. Re-coucou. Qui est tout là-bas, en fait, on le voit pas. Mais il est tout là-bas, il est dans ses ascenseurs aussi. Donc je rappelle, on s'était laissé au niveau d'une espèce de mine, hein, je pense que c'est parce qu'il y a des chariots. Et il fait très frisquet, effectivement. Et on devait, en fait, faire le Tetris, c'est-à-dire que il y en a un qui active un ascenseur, qui l'autre, ça permet d'avancer, et du coup on s'avance comme ça mutuellement. Alors on était coincé là-dessus, sachant que Grisix ne pouvait plus bouger apparemment, j'ai réussi à le monter en touchant à l'ascenseur qui est là, l'ascenseur avec la dynamite, mais il me semble que c'est ça qu'on avait fait. Du coup il est passé à un niveau encore inconnu, et sauf que du coup, moi ce que j'aimerais, et c'est là qu'on on a repris en fait, pourquoi? Parce qu'on a vu qu'on pouvait débloquer cet ascenseur-là. Est-ce que tu peux redescendre l'ascenseur en question, là, refaire l'action que tu viens de faire, avec celui qui a un pickaxe avec un minerai? Ouais. Voilà, nickel. Donc là, moi, il apparaît devant moi, nickel. Voilà. Et là, du coup, je peux aller dedans, moi. Donc je peux le remonter. C'est-à-dire, je peux faire le truc inverse de ce que tu viens de faire. Tu peux remonter quoi? Je peux faire ça. Ok, c'est bon. Ok, Je peux le faire encore. Je peux plus le faire. Je peux faire que ça. Moi, ce qui m'arrange, c'est que tu me remontes le mien. Alors, attends. Ah, nickel. Voilà. Oui, bah, je vois ce que tu veux faire. Ok, nickel, c'est bon. T'as réussi à avancer? Donc maintenant j'ai accès à l'ascenseur du dinosaure avec le diamant là. Alors, du coup, moi il faudrait que je remonte, attends une seconde. Mais le problème c'est que, comme l'ascenseur il est en bas, moi il faut qu'il soit en haut, c'est l'ascenseur que je viens de descendre. Il faudrait que tu te démerdes pour le faire redescendre, parce que sinon je peux plus passer dessus. J'ai vérifié, mais à tous les coups je peux plus passer dessus. Ok, bon, j'ai trouvé la sortie moi. De mon côté, c'est bon. Ah bah là on a un problème, parce que cet ascenseur là, tu vois, moi il faudrait qu'il soit là où je suis, là je sais pas si tu vois ce que je fais. Il faudrait qu'il soit là où je suis, et en fait en train de descendre. Pour que je puisse en fait passer au-dessus. Donc tu dois avoir normalement, quand c'est comme ça, tu dois avoir un escalier qui permet de descendre ou de monter. Ok, pour attends, je viens de débloquer une nouvelle zone en descendant tout en bas. Ouais. Est-ce que cet ascenseur là tu peux y toucher? Attends, je suis en train de descendre jusqu'au fond là, juste pour avoir tout ce que j'ai. Ok, donc. Oui. Ok, attends, il faut que j'explore un peu là. Parce que je suis au niveau du minecart. Parce que le truc avec le monstre, moi je veux bien que tu me le déverrouilles. Et dans ce cas là, si tu le déverrouilles, il faudrait qu'on refasse tout en sens inverse. C'est une zone que je n'ai pas. Ok. Minecart, quoi. Ouais. Bon, bref. Alors, il faut que tu me donne l'illustration que t'as sur dans l'ascenseur et que tu me dises ce qu'il faut que j'en fasse. Ok, alors la pickaxe avec le charbon, donc celui que t'as descendu au début de vidéo là. Moi tu me l'as descendu de mon côté. Faudrait que tu le remettes là où il était. Pour que je puisse repasser dessus. Ok. Celui la pickaxe avec le minerai. Ok, la pioche. La pioche, quoi. C'est comme ça qu'on dit une pickaxe. Ok, la pickaxe, tu voulais que j'en fasse quoi? Il faut qu'elle revienne là où elle était. Donc là moi je sors, il faut que tu me la remontes pour que je puisse passer dessus. Parce que là en fait elle est descendue. Okay. Voilà, nickel, parfait. C'est bon là. Nickel, ouais, c'est super. Toi ça te gêne pas pour ta quête? Un peu. D'accord, ok. Alors, attends, est-ce que t'as touché celui avec le monstre? Ah, après je peux me démerder pour. D'accord, oui, parce que. Alors si t'as touché celui avec le monstre, est-ce que j'y ai accès? Alors voilà, là je passe au-dessus justement, c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit là. Non, celui qui est avec le monstre il a pas bougé pour moi. Mais si tu veux, je peux revenir celui avec le monstre. Ah, tu peux revenir en arrière là, comme que ça. Quoi? Ah bah il faut que tu le. Faudrait que tu me le montes. Ouais. Donc pour toi il faudrait que tu le descendes à tous les coups. Pour que je puisse rentrer dedans, en fait, parce que là j'arrive devant, je suis coincé. Faudrait que je puisse rentrer dedans. Vas-y. Voilà, c'est bon, nickel, parfait, nickel. Je suis dedans, et donc là, moi je peux faire ça. Okay. Est-ce que ça t'a fait quelque chose? Oui, mais ça m'a descendu. Moi ça m'arrange, hein. Parce que là, si. Attends, ça m'arrange. Est-ce que ça t'arrange toi? Parce que moi ça m'arrange pas en fait. Attends. Monsieur, c'est l'étage du dessus. Ouais, c'est bon, c'est là. Moi ça m'arrange, elle est là. Voilà, là je suis sorti aussi, moi. Est-ce que t'es sorti? T'es où là? Je suis sorti. Oui, mais je suis sorti aussi, mais tu es où? Est-ce que tu es à la sortie? Ah, alors, okay, là je vais rentrer dans la falaise. Continue. Je suis tout en haut, je sais pas si tu me vois. Je suis au bord de la falaise. Là. Non. Et tu as accès à quoi? Alors, là j'ai une porte. Une porte fermée, une herse médiévale. Voilà, ok, donc t'étais à la sortie. Donc maintenant, alors, tu reviens en arrière. Ouais. Ah, il y a un interrupteur. Il y a un interrupteur juste à l'entrée. Ouais, voilà. En fait, c'est un interrupteur qu'on doit tenir tous les deux en même temps. Pour dire au jeu qu'on est tous les deux en haut. Le problème, c'est que moi, je suis tout en bas. Ah! Donc, pour me faire monter en haut, oui. Il faudrait que je monte sur le toit de mon ascenseur. Voilà, donc, il faut que je fasse ça en fait. Contraire.
Non, c'est pas ça. Le contraire, le contraire. D'accord, je fais le contraire. Attends, allez, contraire, regarde. Hein? Donc, je monte tout en haut. Moi, j'ai pas accès là. Voilà, j'ai pas accès. Stop, stop, stop. Ouais, c'est bon. Voilà, là, ok. Je pars. Okay. Vas-y, bon. Maintenant, tu remontes. Là, maintenant, je fais ça. Ouais, ok. Tu me remontes encore. Là, ok. Je continue, vas-y. C'est bon pour toi? Ouais, je sais pas. Attends, on peut essayer de remonter jusqu'à. Ah non, mais attends, mais moi, je m'en fous. Hein. Moi, je suis dedans, donc je sors quand je veux. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai juste à le bouger pour descendre là où je veux. Ok, bah vas-y, remonte-moi tout à moi là. Vas-y encore. Hein. Tu peux pas encore? Je vais voir si je peux, j'espère que je peux. Ouais, je peux encore. Je peux, ok, je peux. C'est bon. Je suis à la sortie. Non, okay. Un cran. Ok, là. Ok, c'est bon, je suis sorti. Ok, nickel. Bah ne bouge pas parce que moi, du coup, je suis dans l'ascenseur qui me permet d'accéder aussi dans les esprits. Parfait. Ah, nickel. Donc là, on va arriver. Je vais arriver devant la. Voilà, j'y suis. Hop là, j'ai monté trop haut. J'ai cliqué comme un cinglé. Ok, et donc là, c'est bon. Voilà, c'est bon. J'arrive devant cette herse là. Voilà. Ah bah, je suis là, Rad. Coucou. Attends, comment on fait coucou comme ça? Toi! Ok, c'est bon. C'est Willy Dew là. Non, c'est comment c'est celui-là là? Laisse-moi te pointer du doigt. Ça, tu sais pas faire ça, hein? Bah, pointer du doigt comme ça. Hop. Comme ça. Bon, presse. Vas-y, ouvre là, je me le gèle. Moi je tiens. Voilà. Eh bah, dis donc, quel bordel là! Et n'empêche que cette zone là elle est énorme pour pas énormément de choses en fait. Ouais, c'est un environnement super compliqué en fait pour pas. Après, bon. Je sais pas, j'aime bien l'énigme, mais je la trouve plutôt. Coucou! Même pas. Coucou. Ah bah enfin. Toi! Non, mais là tu fais coucou au mur là. Toi! Quoi? Et en plus. Descends si t'es un homme. Qu'est-ce que t'as dans le. Dans... Ah oui, non, c'est Tokiwoki. Allez, viens en avant. Ah, il y a un campement là. Ça fait penser à Jurassic Park en 3D, le premier Jurassic Park en 3D. Tu sais où t'avais la main qui se baladait, qui frottait sur tous les murs et tout là. Premier quoi? Tu pouvais taper sur les personnages et tout. La main elle était tombante, elle était devant toi, comme Minecraft. Là t'avais la main devant. Et en fait bah dès que tu tapais sur un mur en fait t'as la main qui se pliait, qui se tu vois. Ah bon? Ouais, et en fait il fallait appuyer sur les pavés numériques. Donc il fallait bouger avec la souris, c'est pour que le doigt aille dessus. Mais vu que la main était bougée dans tous les sens parce qu'elle était molle quoi, bah c'était super compliqué de faire ce que tu voulais. Enfin bon, bref. Bah j'ai pas connu ça, écoute. Ah bah c'est un vieux jeu de 95 ou 2000 déjà. Donc on a un petit feu de camp. Ah nouveau, je pense qu'on est passé à un nouveau chapitre, Granix. Ouais. Ok, donc nous sommes dans la glace. Et ben écoute, c'est parfait. Mm-hmm. Là, qu'est-ce qu'on a? On a donc... alors ça paraît déjà compliqué. Là, il y a une espèce de petit badge. Petit badge bleu. Toi, t'en as un jaune. Il y a une porte rouge. Ok, là-bas. Bleu et jaune. C'est là que ça ouvre. Ok. Ok. Là, t'as touché un interrupteur qui sert à quoi? Oula. C'est un tourniquet, d'accord. Donc, ok. Alors moi je peux. Ah si, je peux cliquer. Ok, je viens de passer aussi. C'est quoi ce bordel? Oh, mais attends, je pense qu'il faut pas passer. Ah, il y a une porte bleue là. Il y a une porte bleue, je pense qu'il faut la. Mais attends, sans déconner. Ok, tu veux que je l'ouvre la porte bleue? L'ouvre la porte bleue si tu veux. Bah, je sais pas, vas-y. Attends, il s'est passé là. Bah, je viens de l'ouvrir. Hein. Ah oui, exact, la porte bleue est ouverte. Du coup, moi j'arrive à une porte rouge, tu m'ouvres la porte rouge maintenant. Non, il faut que ce soit toi qui m'ouvre la porte. Je pense que c'est ça, donc alors attends. Ok, non, attends. Merde, je peux plus tourner. Ouais, bah, moi je suis dedans, vas-y, essaye là pour voir, tout seul. Ouais, bah, c'est parce que j'étais dedans que ça posait problème. Il y a une manivelle là, c'est à quoi cette manivelle là, la con hein. Non, c'est parce que j'étais. Ok. Est-ce que tu peux ouvrir la porte rouge? Il faut que tu m'ouvres la porte bleue d'abord. Il y a une porte bleue devant. Attends. Là, il y a deuxième tourniquet. Elle était déjà ouverte. C'est là où ça a pas de sens. Ah, je te vois de l'autre côté. Là, t'es dedans, bah oui, du coup, on va voir. Ah, attends, c'est pas clair. Là, il y a encore un truc de logique. J'ai l'impression que ça va être très cassé. Attends. Bah non, là, je suis revenu au départ. Donc, moi, je suis revenu au départ. Hein. Okay. J'ai la porte bleue là. Enfin, alors attends. Il y a une porte bleue, du coup, qu'on a ouvert. Mais maintenant, de l'autre côté où il y avait l'interrupteur rouge là, tu sais, il y a une porte bleue maintenant devant. Donc, il y a une porte bleue, dedans, il y a un interrupteur rouge et après, il y a une porte jaune. Ouais, bah t'es à côté de moi, donc ouais, tu vois le problème. Donc okay. j'ai pas compris le mécanisme. Vas-y. Tu peux pas le tourner, tu vois? Non, tu sais, il faut être de l'autre côté. Il faut être de l'autre côté, donc pour aller de l'autre côté. Alors, ok. Ça, c'est pareil, il y a plusieurs passages parce que. Attends, là, il y a une porte rouge ici. Hein. C'est un peu débile nous laisser passer là. Non, il faut qu'on soit séparés, c'est le but. Si on est collé comme ça, c'est pas bon. C'est... Donc il faut aller ouvrir la bleue. Moi je vois la porte bleue, attends. Voilà. Je peux ouvrir la porte bleue, moi. Ça fait quelque chose, ça? Ouais, ça a ouvert une bleue, je crois, et ça a fermé une autre bleue. Donc, c'est bon, j'ai accès à la rouge. Maintenant, j'active la rouge. Moi, ça... Toi, normalement, ça t'a débloqué des...
Bah non. Une jaune. Vas-y, okay. Essaye de revenir en arrière. Attends, tu peux la remettre pour voir ce que ça fait ? Parce que j'ai pas vu ce que ça fait. Oh, de renlever l'interrupteur. Ouais, ok, d'accord. Donc ça me donne effectivement accès à une porte jaune, juste derrière. Ok, la porte jaune. On s'en fout. Voilà, reviens en arrière. Toi, normalement, ça t'a ouvert des passages. Alors. C'est pas avant. Alors, attends, je retourne avant. Moi, j'ai une porte bleue là qui est à nouveau verrouillée ici. Là. Mm-hmm. Ah, attends, là je peux aller plus loin, effectivement. Je peux aller plus loin. Ah, voilà. Et alors là, en allant ici. Là, j'arrive à nouveau à une porte bleue. Tu peux rouvrir la porte. Ouais, mais non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ne fais pas. Ne fais pas parce que je vois pas l'intérieur en fait. Parce que là, en fait, ouais, j'ai fait le tour, mais. Bon, et. T'as accès à quoi ? Attends. Et c'est quoi qui est en face de toi là ? Moi, j'arrive en fait à. Attends, je peux passer en dessous. Attends, je peux passer en dessous. Attends une seconde là. Oula ! Attends, il y a tout un tunnel là de la mort là pour moi là. Alors j'ai tout un tunnel, mais c'est un cul-de-sac. Je vais voir de l'autre côté parce que j'ai un autre tunnel. Alors là, je vois l'interrupteur bleu, tiens. Je peux pas y accéder. Je vois l'interrupteur bleu en fait. Je suis juste de l'autre côté, mais je peux pas y accéder. Et j'ai une porte rouge, pour info. Mais une porte rouge, je pense qu'elle va en fait bloquer mon passage. Mais sauf que ça sert à quoi? Puisqu'en fait, de toute façon, j'ai accès à rien. J'ai accès à rien dans cette caverne. Oui, mais c'est quoi comme couleur qu'il faut que je te débloque? Bleu, rouge? Ouais, attends, je vais te dire. Alors, là, la seule chose que je peux faire... Alors, rouge, est-ce que tu peux faire rouge? Mais restez devant, parce que je crois que ça va fermer la porte et devant. Vas-y, fais-le. Ouais, ah, c'est bon, vas-y. Ok, alors attends. Là, en faisant ça, tu m'as coincé, là. Tu m'as enfermé. Est-ce que ça m'a déverrouillé autre chose? Attends une seconde. Donc c'est quoi? C'est une rouge et une bleue, je sais pas. Attends. Là, tu m'as enfermé, mais... rappuie sur la rouge. Si tu peux refaire la rouge, ça peut être pas mal. Ouais, attends deux secondes. Et après, il faudrait que tu refasses la bleue, mais en fait, je vois pas l'intérêt parce que je vais revenir sur mes pas. En fait, c'est comme si j'avais fait le tour. Tu vois, il y aura un truc en fait où tu fais le tour, du coup, ça permet de revenir où t'étais, mais avec un truc de changé. Ouais. Avec juste une porte qui est changée. Si tu peux m'ouvrir une porte bleue, par exemple, on va dire ça. Ok, attends. Il faut pas que tu bouges. Ouais, je bouge pas, je regarde. Je me méfie juste. Parce que là, je suis coincé, hein. Là, je suis coincé entre la porte bleue, le rouge et la porte bleue qui vient de changer. Tu vois, et là, je vais revenir avec toi, regarde. C'est quoi l'intérêt? Attends. Là, je te bouge la bleue. Ok. Donc là, je suis revenu. Là, tu vois, regarde, je suis derrière toi. Là, tu vois, je suis là. Okay. Mais sauf que, encore une fois, je vois pas l'intérêt. Est-ce que tu peux aller ouvrir la rouge? Alors, la rouge, elle est censée être où, la rouge? Bah, de l'autre côté, là-bas. Tu sais, là où on était au début. Non, parce qu'il y a la porte bleue. Il y a la porte bleue qui est devant. Tu peux ouvrir la porte bleue? Ouais, vas-y, je suis toujours. Vas-y, on fait. Voilà, nickel. Là, tu remets la porte bleue, du coup. Remets la porte bleue. Voilà, nickel, là j'ouvre la porte rouge. Ok, ouais, ok. Est-ce que t'as accès à une porte jaune? Ah, ouais, j'ai une porte jaune. Alors, est-ce que t'as un interrupteur jaune? Non, j'ai pas d'interrupteur. Ok, là tu m'as fait ressortir, c'est cool, sauf que moi je suis bloqué complètement, des deux côtés. D'un côté c'est bleu, d'un côté c'est rouge. Il est où l'interrupteur jaune? Bah, je sais pas où c'est qu'il est justement. Je l'ai pas vu en fait, moi l'interrupteur jaune, c'est le problème. Enfin, je crois pas l'avoir vu. Non, à mon avis, il est de ce côté là-bas. Donc, hop. Moi je suis coincé partout là, je ne peux plus rien faire. Attends, ouais, je sais. Attends, je vais essayer d'aller là-bas. Donc là tu m'as enfermé, là. Ok, donc là je te vois en train de passer là. Et. Est-ce qu'il serait pas là, l'interrupteur jaune? Et est-ce que tu peux. Aller m'actionner l'interrupteur bleu? Je ne peux plus rien faire. C'est complètement bloqué. Attends. Je vais essayer. Hein. Non, toi, j'ai qu'une porte. Alors. Je te dis ce que j'ai une porte rouge fermée, j'ai une porte bleue fermée, et j'ai le tourniquet qui est bloqué de mon côté. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Et je peux utiliser ça. Ah merde. Putain, c'est un casse-tête, hein. Dans le 1 et le 2, c'était moins casse-tête que ça. Je vois, ouais, non, c'était des énigmes différentes en fait. Je vois le jaune. Ok, alors là moi je suis bloqué, donc je ne peux plus rien faire. Si tu veux que j'ouvre le rouge par exemple, je peux, mais il faudrait que tu m'ouvres le bleu avant. Voilà, et non, sinon je peux aller nulle part. En fait, il faudrait que tu viennes avec moi m'ouvrir le bleu. Ben, je viens, mais. Là, il faut que tu me débloques. Donc, faut que tu ouvres le rouge ou. Le rouge ou le bleu? Le rouge, tu peux pas? Attends. Rouge, je peux pas. C'est tout ce que tu viens de faire là. Arrête. Ok. Ah, ben nickel, ok, c'est bon. Donc, vas-y, tu vas aller activer le bleu quand je te le dis. Ah, putain, évidemment. Ok, faut revenir en arrière. Vas-y, hop là,
revient en arrière. Oh putain. Oh le bordel. Bah, vas-y, alors, ouvre. Ouvre le bleu. Ah, ça y est. Ok. J'ouvre le rouge. Ok, tu veux jouer, tu veux j'enfonce le bleu. Ok. Est-ce que tu peux ouvrir le bleu? Alors là, il était PC, donc ça, c'est ça que tu veux dire? Voilà, ok, attends. Ok. Attends. Bouge plus. Alors là, effectivement, ouais. Là, il y a les trois portes d'activer là, ici. Vas-y, est-ce que tu peux aller rouvrir le bleu? Oui. Ah non, attends, si je fais ça. Ah putain. Ok. Est-ce que tu peux repasser de ce côté-là, avec moi? Alors moi, j'ai pas tout compris ce que tu fais, mais je vais te faire confiance. Non? Attends, ah j'arrive, putain. Attends, j'arrive. Attends, en faisant le tour. Non, en faisant le tour, regarde. Là, j'ai accédé. Ok. Ah, c'est bien fait, il y a un truc pour qu'il y ait qu'un seul chemin. Ok. Il va falloir que tu... Ok. Parce que là on inverse, hein, je crois qu'on sert à rien. T'as vu qu'on pouvait passer au bout, hein? Avec la porte rouge, on peut faire le tour au bout. Ouais, mais il faut la porte jaune. Et est-ce que tu peux m'ouvrir le rouge? Non, parce qu'il y a une bleue devant. Ah, le problème c'est que... Monsieur... Attends, peut-être que le bleu je peux l'ouvrir par contre, tout seul. Ah. Ou pas. Non, je peux pas parce qu'il y a un tourniquet qui me gêne. Attends, est-ce que de l'autre côté je peux le faire? Oui, de l'autre côté je pense que je peux. Attends. Le bleu, je vais peut-être le faire tout seul. Pas sûr, mais. Ouais, attends. Là. Est-ce que, okay. est-ce que je suis bloqué? Attends. Attends. Il faut que t'ailles m'ouvrir le rouge. Alors, attends, le bleu, je l'ai fait. Je reviens en arrière. Le rouge, attends, j'y vais, le rouge. Attends. Si tu m'ouvres le rouge, je suis bon. Bah, c'est bon. Voilà, là, je l'ai eu. Oh, putain, super, ok. Ok, maintenant. Tu peux toucher au jaune? Ouais, je vais pouvoir. Ah putain, non, je suis encore bloqué. Ah, je suis à deux doigts du jaune. T'es bloqué à quoi? Ok, non, attends, j'ai un tourniquet. Voilà. Attends, mais comment il passe au jaune? Oh putain, il va falloir que tu viennes avec moi. Là, je suis bloqué, je peux plus rien faire. Je suis coincé de côté. Là, j'ai un bleu et un rouge là que je suis coincé. Ok, attends, donc il faut que tu viennes de mon côté en fait. Exactement là où j'étais, est-ce que tu vois là où j'étais? Non, je vois pas, je sais pas du tout où t'étais. Reviens, regarde. Là, je suis coincé, je vais là. Ah, mais là. Oui. Ok, oui. Il va falloir que tu passes de l'autre côté, là, tu vois? Ok. Bah, t'as un chemin en fait. Ouais, bah attends, dans ce cas-là, attends, là, je vais enlever le rouge, regarde. Ouais, il faut que tu ouvres le rouge. Voilà. Non, d'accord. Il faut d'abord que tu passes et quand t'es passé, je le rouvre, c'est ça? Vas-y. Ouais, donc là, je remets, vas-y, là, tu vas-y, passes. Vas-y, je passe. Ah, c'est bon, je suis bon. C'est bon, ok. Donc là, je le fais, je vais de l'autre côté, du coup, là où t'as dit. Ça, c'est le Tetris, mais on va y arriver, ok. Et donc là, j'y suis, là où tu m'as dit, là. Je passe au tour nickel, ouais, après. Okay. Bah, il faut que tu te débrouilles. Faut que je fasse quoi? Non, faut que j'active quoi? Attends. Bleu, là, j'ai accès au bleu, si tu veux. Attends, je réfléchis. Du coup, j'ai accès au rouge et au bleu en fait. Si ah oui, il faut que tu t'ouvres le bleu puis le rouge. Donc le bleu, c'est bon? Ouais. Ok, je vais essayer de revenir maintenant au rouge. Je sais pas, c'est. Ok, est-ce que j'ai accès au rouge? Non, parce qu'il y a la porte bleue qui est devant du coup. Tant qu'il y a la porte bleue, en fait, on peut pas. Putain. Non, à mon avis, c'est parce qu'il faudrait que toi tu sois là. Faudrait que tu sois dedans en fait, de manière à ce que tu puisses le faire pendant que j'y suis. Ok, vois, vas-y. Dès que la porte se ferme, tu vois. Donc là, je rouvre le bleu. Ok, bah il faut que je m'ouvre le rouge, genre si tu veux que j'aille le bleu. Ouais, c'est ça, mais attends, là, le rouge. Alors désolé pour les viewers, hein, du coup, ils comprennent rien du tout, je pense, les viewers. Parce que nous, on a notre plan en tête chacun de notre côté, mais alors eux, ils ont rien compris. Hein. Bon, le rouge, c'est bon? C'est bon. Je le remets? Vas-y. Voilà, parce que sinon, je peux pas passer, moi. Sinon, je peux pas faire le tour. Ok, donc là on est à un niveau tous les deux, donc viens par là. Là tu peux faire le tour avec moi, enfin vas-y. Hein. Ouais, donc il faut que je t'ouvre le... Le quoi? Bah... Le bleu puis le rouge, c'est ça? Moi j'ai le bleu là, donc en fait il faudrait que tu passes en fait derrière là. Est-ce que t'as accès au rouge? Ouais. Ok, donc vas-y, là je vais faire le bleu, vas-y. Ah non, non, j'ai plus accès au rouge. D'accord, donc va dedans. Vas-y, c'est bon, je suis dedans. Là, je le ferme derrière toi, c'est bon? Okay. Non, toujours rouge. Voilà, et à mon avis, c'est en faisant ça en fait qu'on aura accès. Donc, j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait ce truc là, mais c'est pas grave. Attends, une seconde, là j'ai accès à un nouveau truc là. Ah, là j'ai accès à un au bleu maintenant, tu peux pas revenir? Tu peux rien faire? Non, puisque le bleu est fermé. Ah ouais, mais là on a un problème parce que le rouge il a. Le bleu il a nouveau activé de mon côté, comment c'est possible? Quoi? Ouais, le. Attends, si j'ai par là, attends, si je fais le tour. Ah, non, si j'ai fait le tour. J'ai fait le tour.
Ok, j'ai fait le tour. Attends. Je peux faire le tour par là, mais sauf que ça ne sert à rien. Là, je suis coincé avec un rouge. T'as touché au rouge, là? Bah je l'ai ouvert puis refermé, mais si tu veux, je peux te l'ouvrir, hop. Ouais, bah du coup, on se retrouve ensemble, quoi. C'est juste que t'es coincé derrière. Bah, toi, tu peux aller voir le bleu, non? En fait, là... Oui, mais en fait, le truc, c'est... Il est où, le jaune? Il est au fond, il est tout au fond. Alors, tout au fond. Tout au fond, c'est-à-dire? Mais en fait... Rouvre le rouge, vas-y. Tant que j'ai pas vu le jaune, en fait, je pense que c'est ça, la clé. Ah oui, d'accord, il est là, le jaune, ok. Le jaune, il est là. Alors, attends. Ah. En fait, il y a un tourniquet que j'ai déjà pivoté et qui, normalement, il suffit que toi, t'arrives là où j'étais pour le faire tourner pour que ce soit bon, en fait. Le tourniquet, il tourne pas complètement. Oui, c'est ça. Je sais bien. Il faut être de l'autre côté, en fait, pour pouvoir tourner. Ouais, je sais bien. Donc là, il faut activer le bleu. Attends. Si j'active le bleu, je peux passer de l'autre côté. Ouais, moi aussi. T'as le bleu, toi? Non, j'ai le rouge. T'as le rouge, d'accord. Là je vais partir activer le bleu. Attends, le bleu était où déjà? Ah, il est là, le bleu. Ok, il est là, le bleu. Et là, je suis sorti. Ok, là, tu peux sortir. Ouais, il faut que je t'active, quoi. Attends. Parce que si on doit arriver au jaune, bah, faudrait que t'actives le... Attends, je crois que je suis pas mal, en fait, là. Attends. Ouais, non, voilà, t'es celui-là, il peut pas, parce que... Parce qu'il faut que t'ailles de l'autre côté, donc... Et l'autre côté, c'est quoi, déjà? Non, en fait, non, c'est pas de l'autre côté. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse le tour. Et en faisant le tour, il faut que j'ai... Il faut que j'ai le bleu. Je peux aller t'activer le bleu. Ah, tu peux activer le bleu, toi? Ah bah oui, je peux y aller. D'accord. Mais... Active le bleu, ça sera parfait. Mais... Et après, faut que t'ailles activer le rouge. Oh, t'as fait quelque chose. Ouais, t'es à côté de moi. Ah, donc je vais t'activer le bleu. Voilà, vas-y. C'est bon? Nickel. Non, maintenant, il faut que t'actives le rouge. Faut que je passe de l'autre côté, en fait. Si t'actives le rouge, en fait, moi, je fais le tour. Et après, alors, faut que t'actives le rouge, t'actives le bleu, et après, c'est bon. Effectivement, la porte est bonne. On est d'accord. Est-ce que le rouge, tu peux le faire? Ah putain, non, puisque... Ah, attends. Tu peux rien faire, là. Ah, fais chier, attends. Tu peux activer le bleu, tu peux désactiver le bleu, hein, si Jen. Ouais, je... Voilà. Comme ça, moi, je reste coincé, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que tu m'actives le rouge. Et après, tu me refasses le bleu dans l'autre sens. Et après, c'est bon. Voilà, donc nickel, voilà, là je suis à nouveau bloqué. Maintenant, réactive le rouge, ouais, c'est bon, je pense qu'on a la méthode. Mais peut-être que je vais me retrouver coincé comme toi tout à l'heure. Donc, le rouge. Et je vais le rouge. Voilà, ensuite, dès que le rouge est fait, du coup, il faudra que tu refasses le bleu. Et comme la porte, je l'ai bien mise, du coup, je vais pouvoir passer derrière. Voilà, c'est bon, nickel. Ouais, tout à fait. Ne touche plus rien. J'ai accès. Là, j'ai accès. Ah, j'ai accès au jaune. Voilà, j'ai accès au jaune, là c'est bon. Et tu peux baisser le jaune. Voilà, là je viens de toucher au jaune. Oh, ok, c'est bon. Donc là, normalement, ça a dû tout débloquer là maintenant. Ouais. Alors je vais m'en assurer. Ah par contre, pour que je repasse, faut que tu me réactives le bleu là. Faut que te réactiver le bleu. Attends. Oui, faut que tu me réactives le bleu, sinon je peux plus. Faut que tu retournes m'activer le bleu. Alors tu peux activer le rouge. C'est bon, je suis de l'autre côté, moi. Ouais, mais il faut que tu m'actives le bleu avant, sinon je suis coincé. Je peux plus bouger, moi. Je suis coincé en fait directement. Je vais regarder en dessous. Attends. Il suffit juste que tu reviennes au milieu, en fait. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a juste une. Attends, j'affiche juste dans les petits tunnels là que j'ai accès à rien. Parce qu'il y a des petits tunnels en fait qui servent à rien, mais ok. Il faut juste. Où là? Ok, donc je suis. Attends, je reviens là. Voilà. Et là, il faut que je passe la porte qui est là devant moi. Je sais pas si tu la vois, mais j'ai une porte devant moi. Il faut juste activer le bleu. Tu peux activer le rouge ce que tu veux du moment que le bleu s'active. Ok. Voilà, donc le rouge, tu l'as activé effectivement. Donc normalement, tu devrais avoir accès au bleu. Là, je peux pas passer devant moi. Là, tu sais, je suis coincé là. Je suis coincé à la porte là. Donc si tu m'actives celui-là, du coup, voilà, c'est bon. Et là, du coup, je suis avec toi. Normalement. Ok. Là, faut que tu viennes avec moi. Vas-y. Non, reviens, c'est toi qui veux qu'il revienne là. Voilà. Quoi? Ah, c'est bon, tu m'as fait peur, ok. Ok, donc là, il faut qu'on revienne ensemble. Ça, c'est limité. Attends, c'est par là. Et donc, la porte jaune, elle est où la porte jaune? Mais c'est bon, c'est ouvert. Viens, par là. C'est par là? Ah putain, le bleu. Ah, chier. Ah, faut que tu retournes sur le bleu, ouais, vas-y. Attends, je vais faire le bleu. Ah non, c'est... là, on peut pas. Ah, c'est technique, hein, n'empêche, hein, ils ont vachement. Alors, c'est super bien travaillé, j'aime beaucoup. C'est super bien pensé, alors, franchement. On passe un peu de temps, mais c'est pas indécent. Vous voyez, on reste pas coincé pendant une heure non plus, hein, c'est juste qu'on va juste perdre 10 minutes. Et du coup, bah, c'est pas chiant. Voilà. Moi aussi, je suis sorti, hein, du coup. Bon, attends, j'arrive. Ouais, bah, je vais attendre que tu. C'est bon, nickel. Et bah, alléluia, hein. Voilà, la porte est ouverte, okay. Heureusement. Alors, attends. J'ai vu qu'il y avait des croix au bout, enfin, c'est pas des croix, non, c'est des lanternes. Donc on retourne dans la neige. Si on a fait tout ça pour le retrouver mort, franchement ça fout les boules. Les deux là, bah peut-être que c'est un message enregistré, tu sais, puis on arrive, c'est pas plus.
Ah, il y a alors, il y a un pistolet d'alerte par terre. Attends, par contre, là, j'ai l'air de pouvoir avancer beaucoup là dans le vide. Quoi ? Il y a un pistolet. Ouais, mais. Ok, nouveau. Donc, je pense que là, c'est un nouveau chapitre encore. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a. Tu peux tomber ou pas ? Comment ? Ah, je viens de tomber. Ok. Tu peux remonter ? Ah, c'est bon, j'ai respawn. Ouais, voilà, en fait, c'est dans le cas où tu meurs. Mais moi aussi, je sais pas aller jusqu'au bout. On va juste regarder ce qu'il y a. Donc là, on arrive. Il y a des tunnels, des espèces de d'égouts, j'ai envie de dire. Je trouve que c'est des égouts. Avec une poignée. Mais avant de cliquer sur cette poignée, Grédix. On se retrouve au prochain épisode. Exactement. Allez, bye bye. Bye bye.